d'enfoncer une barre chocolatée à l'intérieur d'une machine électronique alors. Non, non, tu mets pas le barre dans la machine, non, tu mets pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je suis content de voir que vous avez retenu la leçon là. Alors, qui dit nouvelle tournée dit aussi nouvelle production et donc nouveau budget. Et on a pu donc racheter le XB27, la fameuse machine, et puis voilà, on va pouvoir vous faire le morceau tel qu'il était prévu. Alors on a même confié cette machine à Alain pour montrer qu'on n'était pas rancunier, et voilà, je suis très très fier, on va pouvoir lancer cette chanson telle que c'était prévu à l'origine. Non, en fait non, parce que... Si, regardez, juste après, dans la playlist, je n'ai pas de... Henry, voilà, juste après l'autre Finistère, c'est ça. Non, en fait, parce que non. Parce... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faudra la machine. Ben, elle est où, la machine? Ben, dans le chien. Dans quel chien, Alain? Ben, le chien de l'expérience. Quelle expérience? Ben, en fait, c'est au moment où j'ai essayé de rentrer le chien à l'intérieur de la machine que j'ai pris conscience que, en fait... Non, non, excuse-moi, Alain, on ne fait pas rentrer un chien dans la machine. Non, il faut pas, non! Je m'en fous, un mars ou un chien, on ferait rentrer dans une machine, Alain. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Parce qu'un chien, c'est beaucoup trop gros pour rentrer dans la machine. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire rentrer la machine dans le chien. Pourquoi faire? Ben pour faire un lion. C'est pas du tout comme ça qu'on prend un lion, on prend un chien comme ça, on met un tube en PVC, on peint couleur fauve, le tube. Non, non, il y a deux étapes, il y a deux étapes. Étape 1, on prend la tube, on le peint à couleur lion. On essaie... Il y a quatre étapes. On prend le chien, on rentre la machine dans le chien, on rentre le chien à l'intérieur du tuyau, on prend le tuyau, il y a 5 étapes. On prend le tuyau, on le peint en couleur lion, on met une petite collerette de fourrure autour du tuyau, qui fait, ça fait croire que c'est un lion. Alain. Ensuite on fait rentrer le chien à l'intérieur du Alain, tuyau. Alain, excusez-moi. En fait, pourquoi vous faites tout ça? Quel est votre but final en fait? Je ne comprends pas en fait, votre démarche intellectuelle. Mais c'est de la science. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la science c'est inventer des inventions? Vous croyez que la science, c'est mettre des virus dans des seringues pour les insérer dans des piqûres pour qu'à la fin on développe des anticorps? Mais vous êtes fous! Vous êtes fous! Y'a quoi dans cette tête? Y'a quoi dans cette tête? Y'a une espèce de chariot à roulettes qui roule et on pousse les gens, et on pousse les gens, et on pousse les gens, et ça roule, et après ça tout seul! Vous savez, la science, c'est aussi savoir prendre des risques. Non, mais je n'ai pas, et je dis même qu'à ce titre, vos parents sont peut-être un petit peu scientifiques, moi, c'est ça que je dis. Mais je voudrais juste savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Comment c'est conçu? Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? C'est ça que je me demande vraiment, quelle est la... En fait, c'est très simple, il souffre d'un problème de connexion interneuronale avec probablement un déficit en neuromédiateurs responsable de tous les symptômes. C'est-à-dire, Michel? C'est-à-dire que Alain est complètement con. Merci. Bon, à mourir, en tout cas, je crois qu'on va être obligé de faire le morceau comme je le disais avant. Voilà, je crois qu'on va être contre un exploit. Voilà. Pas de soucis, mon grand, écoute. Hein. Tout est relax maintenant. Je suis content. J'aime bien cette nouvelle. Joli combat là. Les nouvelles Amaury. Moi, wow. Le Che Guevara de l'Ardèche. Che Guevara de l'Ardèche. Allez. J'ai perdu le fil en fait. My M&M's.
Sneakers.